Si, it's a question si for Dodo le petit là. À mon avis, it's no. Alors, ils sont comment ces petits gâteaux? Trop bon. Ouais, fais voir un moment. Est-ce qu'ils sont bien moelleux, bien con, bien fun là? T'aimes bien? Oui. C'est bon. C'est quoi qu'il faut faire? Vas-y, moi je vais faire la soustraction. Il faut qu'on travaille sur les soustractions. Il n'y a pas la peine de crier. J'ai essayé. C'est quoi 562 moins 459? Oui, c'est avec le truc. Voir, tu manges pas. Il est encore. Sans froid aussi. C'est ça? Sans froid. Oui, c'est ça. Voilà. Je peux avoir une note. Je n'ai pas de l'eau. Je ne me rappelle plus comment les autres. C'est avec la soustraction, donc normal. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau vlog. Je parle doucement parce que Raphaël est à la sieste. On est allé avec Maeve à la gym ce matin, donc du coup de 9 à 10. Elle était très forte, j'étais trop fière d'elle. Bref, j'ai trop adoré. Je suis en train de préparer du coup le repas pour ce midi gentiment. Et en même temps, je fais déjà l'apéro pour ce soir, puisque cet après-midi, je ne sais pas ce qu'on va faire. Et du coup, je préfère anticiper pour ne pas être dans le jus ce soir. Voilà, du coup, là, je suis en train de préparer une mini pizza. Je vais faire un cake aux olives chorizo. Et je vais faire des gnocchi épinards saumon. Et il me semble que je voulais faire aussi des... Ah, je trouve plus le nom. Bref, je vous fais voir tout ça. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée. C'est qu'il faut mettre le plus grand chiffre en premier. Allez, petite pizza du coup, faite très classique. Sauce tomate, donc comme sauce tomate, j'ai pris ma fétiche qui est comme ça. Voilà, je rajoute juste un petit peu d'origan. Ensuite, j'ai coupé des petites olives, j'ai mis du jambon blanc et j'ai râpé du gruyère parce qu'on n'a plus de gruyère, donc du coup, je l'ai râpé. Et ma foi, bah, ça m'a l'air fort appétissant. Ça a l'air trop bon. Ouais. Du coup, pour ce midi, je fais un gratin de gnocchi saumon épinard pour Maeve et moi. Et Léonie mangera des gnocchi classicos. J'ai commencé à faire ma préparation pour mon cake. Du coup, je vais faire un cake feta, gruyère, chorizo et je vais mettre des olives. Voilà, tranquillou. Là, on a les épinards qui sont finis. Et là, on a du coup fait une petite purée. Donc, courgettes, carottes. Je vais mettre un petit peu de... je vais mettre un ou deux gnocchi, histoire que ça fasse un petit peu de féculent. Et je vais mettre des petites olives pour que ça donne un petit peu de goût. Et voilà, petit gratin de gnocchi saumon épinard. Du coup, j'ai juste rajouté un petit peu de parmesan dessus. J'ai mis vraiment un peu de crème que j'ai tout... enfin, j'ai tout mélangé à la crème en fait, et voilà. Il n'y a pas vraiment vrai. Franchement, il doit y avoir 2 cuillères à soupe de crème dans tout le plat, donc voilà, parfait. Parfait. Miam, on va se régaler. Hein, les filles? Oui. Je suis en train de donner à manger à bébé Raph, du coup, petite purée. Donc, je lui ai mis, bien ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai mis une carotte, une courgette, 3 olives, une tranche de jambon de poulet et 2-3 gnognos, je ne sais plus combien exactement. Et pour faire son petit féculent. Et voilà, il se régale. Et j'ai goûté ce que moi je goûte toujours, ce que je donne à mon enfant. Hein, voilà. Et c'est super bon. Voilà. Du coup, la petite pizza, regardez, elle est toute prête, elle est là. Léonie, elle a son assiette de gnocchi classique. Elle va manger ça avec des tomates et des joues du jambon. Parce qu'elle aime pas du coup le saumon ni les épinards. Mais viens, moi, on va manger le gratin de gnocchi. Épinards, saumon à la crème avec un petit peu d'hypermesan. Et Vincent, il va se faire ses gnocchi à lui parce que, alors lui, il aime pas les épinards, il aime pas le saumon. Il va s'en faire au bleu, je crois. Bien, bien light. Ouh, loulou. Et c'est parti pour les repas de championne. Merci. Miam, miam, miam. Allez, j'ai terminé du coup le petit cake. Donc, comme d'habitude, moi je le mets dans du papier sulfu. Comme ça, j'ai plus qu'à monter et reposer. Et à remonter, à reposer. Vous m'avez comprise. En gros, quand vous l'enlevez, ça se démoule direct, quoi. Voilà, parce que moi, c'est un moule dur que j'ai pour ça. C'est pas des boules guides. C'est pas des boules. Oh, décidément. C'est pas des moules guides de marre. Donc voilà, bref, j'emballe tout.
J'ai tout remonté, on va faire passer Bob et on s'en va. Je vous prends dans la voiture pour vous faire un petit topo. Hein. Du coup, bon, je me suis un petit peu pomponnée. J'ai mis un petit sweat qui fait un peu habillé. Alors, il est un chou transparent. Mais vous savez, j'ai ma brassière d'étame en dessous, donc c'est pas non plus. Et j'ai mis un petit jean slim gris. Voilà. Allez, c'est vamos. Vamos, vamos, vamos. Bon, ça y est, on est parti. Je suis pas trop rouge. On a été du coup à l'île au trésor, je vous l'ai pas dit du coup au tout début parce que je crois que j'en ai pas dans le vlog d'hier, mais je l'ai pas dit parce que bah, je voulais faire ouais, ça s'appelle comme ça. Je voulais faire la surprise du coup aux enfants. On s'est retrouvés en fait là-bas avec nos potes Ben et Manon et à la base ce soir on devait faire apéro dînatoire enfin entre nous 4-5 avec Raph. Oui. On va du coup on va manger chez Ben et Manon et du coup bon, on apporte ce qu'on a fait enfin ce que j'ai fait tout à l'heure à la maison. Du coup on était à l'île au trésor, c'est à Rion, la région clermontoise. C'est pas mal, c'est comme un espèce de truc aventure en fait pour les enfants. Mais c'est vachement bien fait parce qu'ils ont mis un truc en fait en hauteur avec des filets en fait et du coup nous on voit au-dessus en fait les enfants marcher et ça fait comme de l'acrobranche mais en hauteur, c'était pas mal je trouve. Ouais, et moi, une tyrolienne, ouais c'était moi, pas mal, adoré. Ouais c'était bien franchement, je pense que c'est ça à refaire par contre ça aussi c'est hein mais bon. Par contre, au début, j'avais un petit peu peur, hein, mais après, ça allait. Oui, il y a une espèce de toile en volcan où on peut faire du toboggan dessus. Enfin, non, c'était vraiment pas mal. Par contre, il y avait vraiment beaucoup de monde. Et comme d'habitude, je vais faire la râleuse, hein, mais voilà, enfin, il y a des parents, ils tiennent pas du tout leurs enfants. Enfin, des enfants qui viennent tout seuls, je pense. Ah, mais je pense, hein. On dirait qu'il y a des enfants, ils viennent tout seuls, les parents ils doivent s'asseoir et allez-y. Alors que nous, on reste avec les enfants, alors on jongle, un coup c'est les petits, un coup c'est les grands. Enfin voilà, on laisse pas nos enfants errer comme ça, sans surveillance. Allez, vas-y, débrouille-toi. Enfin, chacun fait comme il veut, mais nous on peut pas quoi, c'est pas possible. Et puis ne serait-ce que par rapport aux autres, parce que je dis pas que nos enfants sont parfaits, mais bon, on sait jamais si elle fait pas attention à un enfant ou quoi que ce soit, bah nous on est là. Il y a quand même des enfants, on essayait de faire le toboggan avec Maïvi à un moment, donc on attendait notre tour, donc tout le monde me passait devant. Ça encore, tu dis c'est des enfants, mais les enfants d'en bas déjà montent au toboggan à l'envers et ils nous jetaient des balles comme ça. Sauf qu'à un moment j'ai pris 2-3 balles dans le visage, donc j'ai un petit peu, hein. Et j'ai dit attention, c'est dangereux. Enfin voilà, et là tu te dis, mais il n'y a pas de parents, cet enfant il te regarde limite, balèque, hein. Voilà. Allez, vas-y, c'est pas grave, c'est adulte, mais je fais ce que je veux. Ils tiennent leur garde. À un moment, on était dans le truc avec les petits, donc vraiment petits, hein, donc Raphaël. Il y avait de la mousse et il y avait des espèces de petites voitures pousse-pousse là. Et normalement, bah, les voitures pousse-pousse, c'est pour faire le tour hors structure en fait. Et bien, il y en avait un, il a emmené le petit pousse-pousse dans la structure de Raphaël, là où il y a les plus petits, en mousse, là où on peut faire des parcours. Et il faisait tomber la voiture en fait d'en haut comme ça là. Voilà. Il y a un moment j'ai dit, j'ai fait non, fais pas ça. Parce que t'as envie de te dire, mais où sont les parents? Enfin, c'est super dangereux. Non bon bref, qu'est-ce que tu voulais dire Manimouche? En fait moi tout à l'heure, tu sais là où il y avait la mascotte. Oui. Et bah j'ai voulu faire ça. Et avec tout le monde qui me pousse, donc ça m'a fait très mal au ventre. Mais c'est ça, c'est qu'ils font pas attention, enfin je sais pas. Bref, après, quand ça voilà, ça reste des enfants, quand il y a effet de meute, tout ça, ils sont excités, ça je veux bien. Mais il y a des enfants, quand ils font des actes comme ça, personnellement, je ne laisserai pas mes enfants faire ça. C'est ça qui me... Bref. Après, l'éducation d'un enfant, je pense que ça y joue dans tout ça, non? Attends, nous, enfin, excuse-moi, nos enfants feraient pas ça, quoi. C'est mon éducation, c'est juste surveiller. Ouais. Bon bref, écoutez, c'était quand même un excellent moment, c'était super bien, c'est une belle structure, ouais, c'était pas mal, franchement j'ai bien aimé. L'île au trésor, c'est l'île au loisir. Ah, l'île au loisir, l'île au trésor, c'est l'île au loisir que ça s'appelle. Voilà, c'était super bien. Du coup, bah là, en avant de tout, on va chez Ben et Manon, oh le virage, et puis voilà, j'essaierai de vous reprendre un peu plus tard, ou sinon je vous reprendrai à la maison. Je vais voir, parce que vu qu'on est entre amis et tout, je veux pas imposer la caméra non plus. Papa, tu mets les watts là, hein. Je sens que t'appuies sur le champignon, hein, hein. Allez, à toutes. Nous sommes en direct chez les Luxe
Et nous avons des bonnes petites lasagnes faites par ma copine. Oui, c'est des pâtes à la sauce tomate, c'est bon? Tout le monde se régale? Oui. Bon appétit tout le monde. Bonjour. Bonjour. Et ça y est, on est rentré à la maison. Il est pas trop tard, il est quelle heure? Il est 11h. Donc voilà, je crois que j'avais mon pyjama en vert. C'était une super journée, une super soirée. Ça a fait trop du bien de les voir. J'aurais pu rester encore 1000 ans. Mais Raph était très mignon. Il a pas voulu dormir là-bas. Donc franchement, on l'a pas entendu. Ils avaient mis la petite chaise haute. Bon, on a essayé de le coucher dans un petit parapluie. Mais il dormait pas. Puis moi, de le voir assis comme ça, attendre et tout, j'arrive pas. Donc je l'ai pris avec nous. Il était sage. Les enfants étaient contents de jouer ensemble. Et puis nous, les adultes, on était contents d'être ensemble aussi. Le week-end prochain, samedi prochain, on va tous les quatre manger dans un restaurant. On se fait une soirée tous les quatre. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait de soirée avec eux, que avec eux. Franchement, je compte plus. Je pense que la dernière fois, je me demande si c'était pas pour ton anniversaire. Tu sais, quand on était sortis à Pont-d'Uche et tout. Je pense que c'était fou, il y a peut-être plus de deux ans, voire 3 ans. Donc voilà, ça fait un petit moment qu'on a prévu cette soirée. Du coup, ça va être chouette, ça va nous faire du bien. Voilà. J'ai pas trop pris la caméra aujourd'hui, puisque j'ai profité tout simplement de mes proches. Mais voilà, j'espère quand même que malgré tout, cette petite journée vous aura plu. Demain, c'est pareil, je sais pas trop si je vais réussir à filmer. Peut-être que vous aurez un vlog ou non dimanche soir, ça sera la surprise. Puisque demain midi, on mange chez ma maman. Et moi, de 16 à 18, j'ai pole dance. Voilà, donc voilà, je vais faire Soca Dance. Un dimanche par mois, en fait, j'ai pole dance. Donc là, c'est ce dimanche-là et je peux y aller, je travaille pas. Donc j'ai dit à Vincent que j'avais fortement envie d'y aller. Et voilà, il m'a dit, bah vas-y. Il est assez indulgent. De toute façon, moi, il sait que le sport, c'est un petit peu, il faut que je fasse du sport pour être bien. Voilà, ça me crée un bien-être. Hein, donc voilà, pour ça, on n'est pas en kikinant. Lui comme moi, c'est pas parce qu'on est parents qu'on peut pas chacun avoir un petit peu de temps libre pour soi. Surtout moi, je suis très famille. J'aime énormément rester avec ma famille et profiter tous les 5. On est quand même très... on aime être tous les 5. Et profiter tous les 5 avec nos amis. Voilà. Mais, je vais pas vous mentir que je suis quand même quelqu'un d'assez solitaire. Et j'ai besoin de mes moments solo. Et le sport, c'est mon échappatoire et j'en ai besoin. Voilà. Donc bref, je vous fais plein de gros bisous. Et d'ailleurs, succès pour le petit cake, je suis en train de penser. Et succès pour la petite pizza. Ben et Manon m'ont dit, waouh, elle est super bonne ta pizza. Je dis, pourtant, il n'y a rien de plus simple. Je dis, c'était la pizza la plus basique du monde. Puisque les filles, moi, dès que ça sort un peu de l'ordinaire, elles n'aiment pas trop. Et vu qu'à la base, c'était un apéro, du coup, dînatoire qu'on devait faire pour tous les 5. Donc bref, elle avait fait des lasagnes, c'était très bon. Voilà, tout était super. Et voilà, c'était trop court. J'ai hâte de les revoir la semaine prochaine. On se voit très peu, c'est vrai que depuis que nous on habite ici, on est quand même pas loin, mais c'est pas à côté. On a tous les quatre, on a notre vie. Hein. Donc voilà, c'est vrai que c'est compliqué, mais l'avantage c'est que le peu de fois où on se voit, on profite, on kiffe et voilà, c'est le principal. Allez, je vous laisse ici, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à demain pour une toute autre vidéo. Et j'espère que vous passez un bon week-end. Dites-moi en commentaire ce que vous avez de prévu. Et voilà. Plein de bisous. Ciao. Prends cette clope, toi. Ah, mais il me colle une serpillette dégueulasse sur ma veste. Ah, vous êtes ce cousin Hubert. Un noble cousin Hubert.